Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Castlevania Lord of Shadow avec, comme vous pouvez le voir, un petit changement sur l'écran d'accueil, puisque là, cette fois, on voit donc Alucard, ou Trevor, selon ce que vous voulez. Donc on est parti, on va commencer le début. Alors en fait, comment se lance le DLC? Tout simplement dans le menu du jeu, vous avez une option nouveau contenu. Et donc il suffit d'aller dedans et puis vous pouvez choisir la version. Donc là, on a ce qui se passe enfin, à la fin de Lord of Shadow 2, ce qu'on apprend en fait. Les révélations qu'on a à la fin. Without those weapons, he will be trapped in the castle forever. You must restore the weapons to where your father can find them. I understand that he must make this journey of redemption of his own free will, but if we don't help him now, he is lost. We are all lost. I understand, Mother. Take me to the castle. D'accord. Alors d'après donc j'ai lu un petit peu ce qu'ils disaient à propos du DLC. Donc il y a à peu près 2-3 heures de jeu apparemment. Bon avec mes fails légendaires il y en aura plutôt 4-5 hein, au moins. Donc il y a apparemment des trucs indépendants. Donc par exemple là on a des armes, je crois. Le cœur de loup, hein, je sais pas ce que c'est tout ça. C'est des armes normalement. C'est pareil avec le chaos, le néant, les clés des catacombes, bon ça existait déjà. Il y a aussi des reliques, hein, il y a les mêmes reliques. Il y a apparemment aussi des... Voilà, il y a plein de pouvoirs. Bon, les premiers coûtent pas cher, je ne sais pas combien coûtent les suivants, mais bon. Il y a des pouvoirs, il y a des trucs à récupérer, des gemmes, je crois aussi d'ailleurs. Attendez, compétences. Ouais, bon, là, ils me montrent tous les trucs, faut que je lise tout, ok. J'ai compris. Non, comme ça j'aurais plus les points d'interrogation et les points d'exclamation, l'air en train de m'emmerder. Bon, au niveau des mouvements, ça va pas différencier, c'est surtout l'arme qui va changer. Enfin, les mouvements seront pas les mêmes, enfin ça ressemblera pas, mais sinon ça sera à peu près pareil. Alors, on est parti. Donc il y a à peu près aussi 90% des environnements qui sont inédits par rapport au jeu de base. Donc là, pour l'instant, on a un endroit que je connais déjà, mais visiblement, ça va changer. Alors, oh, ça c'est intéressant. Alors déjà, un gros changement. Voilà, apparemment, je peux me changer en nuée de chauve-souris. Donc là, j'ai les reliques, et là, c'est les trois autres trucs. Je peux me changer en nuée de chauve-souris et atteindre
Les plateformes, mais c'est complètement craqué. C'est très classe. Oh, c'est carrément OP, quoi. Carrément OP. Oui, donc vous voyez, apparemment, effectivement, il y a des histoires de gemmes aussi et tout dedans. Est-ce que je peux afficher la carte du monde? Histoire qu'on regarde un peu. Avec vos nouvelles compétences, vous avez accès à un plus grand nombre de secrets. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, à la tour de guet, il y a 8 trucs à obtenir ici déjà. Donc, va falloir que je me retape des phases de farm et tout. Alors, attendez. Ça m'aime beaucoup ça. Oh, ça commence. Oui, donc il y a la nuit de chauve-souris, c'est ce qui m'indique. Donc là, normalement, il y a une salle des cartes que je dois pas pouvoir accéder. Ça doit pas être par là, du coup, que je devais aller. Je peux vraiment aller très haut si je veux, ça c'est classe. Alors, par où faut que j'aille maintenant? Ok, ça y est, ça commence à arriver. Ah d'accord. Maluk peut invoquer l'épée Glacium sur son épée pour absorber la vie ou l'épée Igneas pour briser les défenses. Aïe. Ouais, je vais invoquer. Bon, je suis un peu de la merde, encore une fois. Comme les mouvements sont un peu différents et tout, ça change un peu. Oh, c'est classe. Là, c'est... Ah si, j'allais dire, il les mange pas. Si, il se nourrit. Oui, donc ça c'est des ennemis que je connaissais déjà. Hein. Et donc là, ok. Faut que j'acquière des trucs. Je peux améliorer cette maîtrise-là. Celle-là aussi si je veux. Voilà. Peut-être même d'autres, je ne sais pas. Je peux... Ah non, après elles sont un peu chères. Celle-là je peux, alors je sais pas laquelle que c'est, s'il faut que je maintienne le premier. Après une parade synchro, d'accord, ça peut être sympa. Ah, mais j'ai même pas appris la parade synchro, je crois. Saut périlleux. Est-ce que je vais faire une parade synchro ou pas? Si. Juste attends, ouais, c'est ça. J'ai pas appris le saut périlleux par contre. Ça m'intéresse. Pour le coup. Merci bien. Il y a encore. Ok, bon, je crois que c'est tout. Encore de l'XP, hop. Je peux plus rien apprendre du tout, c'est sûr. Si. Si, si, si. En l'air. Ah, ça peut être sympa. Aussi. Bon, il y a déjà des techniques que j'ai déjà pas mal évolué, donc ça c'est cool, fait évoluer. Allez. On a toujours les QTE. Hein. Ok,
ça c'est bien. Je casse toujours les items, on sait jamais aussi, c'est pareil. Ça, si ça trouve, il y a plein de trucs, j'ai plein de trucs à récupérer que je ne vois pas. Genre les compétences, et, enfin des améliorations, tout ça, mais bon, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. Là, il y a je ne sais pas trop quoi. Ah oui, alors là, par là, je me rappelle de cet endroit. J'y suis venu avec Dracula ici, normalement. Avec Simon. Avec Gabriel, je veux dire. Voilà. D'accord. Vous pouvez utiliser votre vision temporelle pour envoyer les objets dans le passé. What? Oh my gosh. Sérieusement quoi. C'est trop classe. Ah, il y a pas mal de monstres apparemment. Puis pas des petits en plus. Ceux-là en plus on dirait des que j'ai jamais croisés. Il va casser le pont. Quel enfoiré. Enflure, t'as pété le pont. Je pense que je peux le renvoyer dans le passé encore. Ah non, je peux. Ah d'accord, le loup spectral maintenant. Alors attends, on va regarder vite fait. Ça c'est pareil, c'est des capas. Voilà, vision temporelle, tout ça, machin. Toi-même, tu sais, tac, t'as vu. Voilà. Je peux péter cette barrière là? Non, je peux pas. Je me rappelais pas que ça faisait une espèce de pagode chinoise un peu. Ah, c'est ça. Il faut pas le laisser sans surveillance en gros à Lucas. Il faut que j'aille par là, je crois. Nope, perdu. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse à partir d'ici. Ok, ça doit être ça. Là, j'ai un truc à récupérer. Je récupère, bien sûr. C'est pas par là, donc. Ça doit être plus bas, mais... J'ai un petit doute. Ah oui, voilà. Il y a un passage là. Sympa. Utiliser cet appareil, je ne sais pas ce que ça fait. Vous pouvez également utiliser ce appareil pour passer au travers d'objets fins. Essayez de... Merde, je suis con. What? Attendez, j'ai pas compris là. J'ai directement été à la suite en fait. C'est un jeu, c'est ça? Ok.
Ouais, j'ai pas tout pigé, mais bon, tant pis. J'ai dû perdre un peu de vie au passage, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Oui, alors également, le jeu a ses propres artworks aussi. Enfin, l'extension a ses propres artworks. D'ailleurs, c'est un des succès du jeu. Oui, il me demande de. Voilà. Il me demande de récupérer les artworks et tout. Donc, je récupère des. Des reliques. Je suis en train de. Je retrouve même plus mes mots. C'est compliqué ce matin. Ça, c'est après-midi, pardon. Bon, je suis en train d'essayer de récupérer à la fois de l'XP et puis d'autres trucs, hein, si j'en trouve, voilà. On se croirait un peu dans le théâtre. Hein. Un artwork. Beaucoup d'artwork, pas beaucoup d'XP. Saisir ce bouclier, je sais pas à quoi ça sert. Faut que je lui donne, non, peut-être? Faut que je fasse quoi avec ce truc? Ok. Je sais pas ce que j'ai fait, mais d'accord. Oui, je sais, j'ai le menu d'Erlik en appuyant sur en bas. Ça a pas changé. Bon, j'ai pas de nouveau truc pour l'instant. J'avais un boubou ici, je sais pas où est l'autre. Déjà, je sais pas ce que ça fait. Parce que apparemment, je dois pouvoir en mettre un autre ici, mais je ne sais pas où le récupérer du coup. Ah, apparemment il y a un truc là-bas. Voilà. C'était donc ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Faudrait peut-être que je fasse la même chose de l'autre côté, du coup. Ah, attendez. Attendez. Il y en a quelque chose là-haut. Ah! Intéressant. Oh! Ah, d'accord, j'en récupère un, ça augmente directement mon truc. C'est classe. En même temps, c'est un DLC, ils vont pas s'amuser à faire un truc aussi compliqué que dans le jeu principal. Quoi. Si c'est pas censé être long. Voilà quoi. Je sais pas si j'ai récupéré des autres dodos, je ne crois pas. Je vais voir. Non, je n'en ai pas. Je n'en ai point. Donc du coup, faut que je retourne encore en arrière. Voilà, ça c'est fait. Mais là, il y a l'air encore d'avoir un appareil. D'accord, donc ça a l'air d'ouvrir en face. Ok. Oh, 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 oh. Tu te calmes. Oh, je suis trop de la merde. Pourquoi j'ai voulu attraper le boubou, sans déconner? Non! Ça commence bien, toi.
Tiens, ils se sont passés le mot là. Non, ça c'est les ennemis que je n'ai pas combattu avec eux. Je ne l'ai jamais combattu. Ah ouais. Ok. Je suis vraiment pas aidé. Fallait que j'active ce truc et après que je me dépêche de faire le tour. Non. Je rêve. Ah, attendez. Il y a quelque chose là-haut. Qu'est-ce que c'est? Ah, super, il y a encore une. Un truc qui augmente mon autre magie cette fois. Je peux activer ce truc. Plutôt ça. Parade synchro, ça peut être sympa. Hop. Histoire de leur faire bien bobo. Je peux même pas sauter en fait. Comment tu fais pour passer quoi? Est-ce que d'ici je peux activer mon pouvoir? Non, je suis trop près. Enfin, je suis trop loin, je veux dire. Parce que ça peut me faire gagner du temps, n'empêche, en faisant ça. Si je cours un peu, hop. Ça peut me faire gagner 2-3 secondes. On va voir si c'est ça. Si j'y arrive. Parce que apparemment je peux pas monter en faisant comme ça. Putain. Ok. Le loup peut pas sauter, donc ça peut pas être ça. Mais c'était pas mal sinon mon truc, j'étais presque même. Je me suis viandé. Putain, je sais même pas comment le passer ce truc. Ah,
Parce que par là, je peux pas. Je peux clairement pas par là. À moins que. Si d'ici. Ouais, non, ça marche pas. Comme ça marche pas. Parce que j'ai pas l'impression que le loup se déplace beaucoup plus vite que moi. Ah, quoique. Peut-être que si, en fait. Non, bah là je vois pas du tout. J'adore être coincé comme ça, c'est génial. Pourtant, putain, je vois pas comment être plus rapide, quoi. Je vois pas comment être plus rapide. Par là, je peux pas. Je peux pas monter, hein. À moins que je prenne le bouclier, je sais pas ce que ça. À moins que je puisse le poser quelque part ici, mais je pense pas. Non, je peux rien en faire là. D'accord, effectivement, je comprends mieux. Une fois là-haut, c'est vrai que ça paraît beaucoup plus facile. Normalement, je devrais déjà pouvoir. Voilà, en fait, je perds du temps là-dessus, parce que le temps que la porte s'ouvre, je pourrais déjà être loin, quoi. Au lieu de rester complètement immobile. Hey. J'y suis arrivé. Voilà, attendez, j'essaie de comprendre. Bon, je suppose qu'il faut que je passe en loup, mais je ne sais pas comment. Ni où d'ailleurs, mais bon. Non, pas là. Là, il y a un truc qui clignote, donc ça doit être ici. Ok. Alors je sais pas ce que c'est en fait, j'ai pas compris. Ça m'ouvre les portes, mais on dirait que je sais pas, je dois peut-être pouvoir gagner de l'XP probablement en faisant ça. Aucune idée. Génial. Ça, c'est les clés des catacombes, à mon avis. Ça, c'est les geôliers. Va falloir se foutre sur la gueule face à eux. J'ai plus de vie, ça c'est pas cool. Là il y a un bonhomme. Oui, je sais, j'ai débloqué ça. Je peux pas l'apprendre, ça sert à rien. Pourquoi tu m'embêtes? Alors, intéressant. Qu'y a-t-il là-haut? Que je puisse venir jusqu'ici. Pas grand chose apparemment. What? Ça sert à rien en fait. Ou alors il y a autre chose. Non.
Je peux même pas, non. Une fois que je suis allé grimper là, je peux pas faire grand chose. J'ai entendu un truc. Oui, mais je vais pas retourner en arrière, c'est bon. Je suis en train de regarder à droite à gauche. Là, est-ce que je peux grimper par là? Non. Là, j'ai les escaliers. Ah, j'ai encore un bouclier. Il faut que je le mette où celui-là cette fois? Je ne vois pas. Peut-être en haut des escaliers, justement. Je peux pas grimper, donc non. Je peux même pas sauter avec le bouclier, quoi. Bon. Ça mérite d'être clair, hein. J'ai un bouclier, mais il sert à rien. Ok, bon, pose-moi cette merde du coup. Allez hop. Bon, je regarde pas le temps des vidéos, hein. Je les fais à l'arrache, voilà. Ok, un lieu spécial. Première vue. Rien de spécial. Là, ça va être pareil. Ah, mais attendez, il y a un truc là. Qu'est-ce que ça fait? Ah, d'accord, ça a ouvert le truc là-bas. Boum. Je suis en train d'infiniser là le pauvre. Oh! Merde, ça fait deux fois déjà, merde. Qu'est-ce que je fous là? Là! Quand même. Je vais récupérer la clé du souterrain. Merci bien. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de planqué ici? La déco est un peu bizarre, soit dit en passant, mais bon. Alors, est-ce que je peux apprendre de nouvelles compes? Ah, déjà, ça c'est fait. Après le saut périlleux, ça peut être sympa. Parce que surtout contre eux, au début, c'est vachement pratique. Hop, je need. Y'a rien à modifier, je peux juste sortir. Ah. Qu'est-ce que ça a fait? Pas, je vois pas, je vois pas en fait. Apparemment, il y a l'air d'avoir un monte-charge ou un ascenseur. Je vois pas ce que ça fait. À mon avis, c'est peut-être bloqué. Remarque, il est peut-être bloqué par autre chose. Du coup, c'est peut-être pour ça.
Ok, bon, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas parce que je pensais que ça allait activer autre chose, mais apparemment non. Ouais, parce que le monte charge, sinon il est censé descendre ici. Mais. Mais que dalle. Mais que dalle. Comme je sais pas, c'est comme si le mécanisme était bloqué en fait. C'est comme si le mécanisme de la clé était bloqué. Ça c'est cool en fait, je viens de comprendre. Et alors là, il va y avoir du gameplay intéressant. J'avais oublié qu'on pouvait faire ça avec le loup. Ah merde, ça passe pas. Ah fuck, je pensais que ça passerait. Ou alors c'est que je me suis pas bien pris. C'est fort probable. Non, je suis trop loin. Ça va pas le faire. Mais c'était. Ça doit être un truc dans le genre, à mon avis. Hein. Ça peut être que ça, hein, de toute manière. Ça peut être qu'un truc comme ça. À moins que je puisse passer par là, là, par le mécanisme. Passer, merde. Mais c'est par où alors, bordel? Je vais recommencer une dernière fois, retenter, voir. Encore une fois. Ouais non, je suis trop juste. Je suis trop juste. Même par là, ça passe pas. Doit y avoir un truc, hein. Ça doit être forcément un truc comme ça qu'il doit y avoir à faire, mais alors quoi? J'en ai pas la moindre idée. Oh putain, je me cogne en fait. Non, ça c'est par là où j'arrive. C'est tendu, hein. Je sais, là j'essaie de comprendre. Bon, j'ai déjà compris un truc, c'est qu'à mon avis, effectivement, il doit falloir maintenir la grille ouverte. Alors après, à moins que. Il va y avoir un truc. Non, il n'y a pas. Non.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc comme ça à machiner? Là, j'ai le bouclier encore, mais je suis toujours pas. Merde. Ah! Ça va m'aider, je vais peut-être pas toujours pas pouvoir sauter, mais bon. Ah, mais attends, on loue aussi, par contre. Ok, faut que j'associe les deux, ça marche. Bon, ça va peut-être pas m'aider pour le monte de charge, mais bon. Hey. Bonsoir. Mais par contre, ça c'est pas. Waouh. Ok, j'ai compris. Ah mince, je vais foirer mon truc. Ah. Et le 2. Ok. Je prends la deuxième clé, ça c'est cool. Bon, je suis en train de regarder un petit peu à droite à gauche. Peut-être encore pouvoir récupérer, faire gagner une nouvelle comp. Toujours rien à machiner ici, non. Donc là, il doit falloir venir là. Ah, il y a aussi une clé. Qu'est-ce que ça fait? Ok. Je maîtrise une. Ah bah celle-là, d'accord, ok, je maîtrise ça. Sympa. Celle-là va pas être dure à 5. Ah, ça machine non plus. Donc, du coup je vais la prendre. Est-ce que je peux en prendre d'autres? Je ne crois pas. Ok, donc là le truc est descendu. Ça c'est pas mal. Fais voir, est-ce que ça fait remonter le truc ou pas? Si je machine ici. Non, ok, je crois savoir. Donc ça le fait baisser et l'autre le fait monter. Donc maintenant, il faut que j'aille de l'autre côté. A priori. Là, maintenant, il faut que j'aille de l'autre côté. Et que je machine. Par contre, je me demande s'il faut pas emmener le bouclier avec. Ah, c'est ça. Fallait bien que je mette le bouclier dans l'ascenseur. Voilà, et maintenant, je vais de l'autre côté et je vais grimper. Non, je suis pas assez près. Voilà. Donc là, ça doit être bon. Seulement, faut que j'aille avec le bouclier, faut que je monte dans l'ascenseur. Je suppose. Hein.
Donc là, apparemment, c'est une durée illimitée. Tant que je relâche pas mon bouton. Donc là, hop. Ouais. C'est cool, ça marche. On doit peut-être y avoir quelque part où je dois le mettre, du coup, maintenant, ce machin. Ah voilà, il y a les endroits là. Faut que je le pose. Non, je vais aller regarder à droite et à gauche s'il y a quelque chose à faire. Apparemment ici, je ne crois pas. De l'autre côté. C'est pareil. Ah, le loup peut-être ici. Le loup peut-être ici. Ouais, alors là ça va être loin par contre. J'ai un doute sur sa capacité à sauter. Ouf, si c'est bon ça passe. Et c'est cool, c'est pour récupérer de la magie. Classe. Alors c'était chaud quand même par contre. Hein. Bon, je suis le retour en bas par contre. Ça c'est bien ça, c'est un peu dommage. Faut que je me retape le chemin. Un peu mal foutu ce mécanisme hein, quand même. Bon allez, on essaie de finir cette énigme et puis on va s'arrêter là. Ça fera pas mal, ça sera pas mal je pense. J'aurais perdu un peu de temps mais bon, c'est pas grave. On a le temps. On a le temps. Sympa cette petite énigme, ceci dit. Puis c'est bien ça, parce que étant donné qu'on n'a pas les mêmes compétences qu'avec Dracula. Ça change. Ça change complètement. Par contre, je voulais juste regarder un truc. Si c'est au niveau de la map. Là, je suis toujours dans la même zone. Hein. Je suis toujours dans la tour de guet. Donc, je vais juste aller jeter un coup d'œil à un truc. Spécial, je crois pas. Je suis en train de regarder un petit peu. Non. Là, il y a rien de spécial à faire. Pas que je saute en face par hasard. Y a rien en face. Non, non, je veux pas. What? Ok, je sais pas ce que j'ai fait. Je suis en train de grimper là-haut. Pour aller où? Bonne question. Waouh. De la santé. Putain, ça augmente bien en plus. Ça c'est cool. À mon avis ça craint ça. Faut que je retombe en bas encore. Non. Envie. Pourquoi je peux pas retourner en chauve-souris ailleurs? C'est nul ça! Là, à mon avis, ça m'étonnerait que je puisse sauter aussi loin. Go. Ok, bon, bah on recommence encore. Mais au moins, je récupère les objets, c'est cool. Ça me fera un peu plus de santé. Beaucoup d'aller-retour. Hein. Non!
Tiens d'ailleurs. Ah mais j'ai un œuf de dodo maintenant, tiens. On va regarder. Il m'indique un endroit. On va essayer de le regarder si je peux. On sait pas où. Est-ce qu'il est indiqué sur ma map ou pas? Apparemment oui. Il a l'air d'être de l'autre côté. Ah, peut-être en hauteur par contre. Peut-être en haut. Je l'entends en tout cas, il a pas l'air d'être trop loin. Ah mais il est au-dessus de moi. Que j'avais pas cassé. C'est chiant, il n'y a pas un truc plus rapide pour monter là après. Faudrait pouvoir débloquer quelque chose là, c'est pas sérieux sinon. Donc il a l'air d'être quelque part là-haut. Je l'entends, il est vraiment pas loin en plus, hein. Il est vraiment pas loin du tout. Tant pis, on verra bien. En sachant que l'œuf de dodo, il a une durée limitée, hein, parce que sinon, voilà. Je pourrais jamais sauter en face. Ok, bon bah à mon avis, hop, il faut que je fasse ça. Il faut que je passe en dessous. Aïe 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 aïe, mais je suis en train de me faire infiniser là. Alors, il y avait les ennemis un peu semblables, je sais pas si c'est exactement les mêmes, mais les petits là ils me disent quelque chose aussi. Et ils font mal hein. Oh, les sacs. Tu l'égorges et là il boit le sang qui tombe. C'est trop glace. Boum! Oh, mais il est passé à travers, c'est con. Merde, j'avais oublié qu'il avait mis. Merde, j'avais oublié ça aussi. Faut que j'utilise Y. Pour faire avancer un peu mon arme.
Hop. Bon, ça c'était sûr. Ah putain, et vous commencez à me faire chier, sérieux. En fait, j'ai l'impression qu'il revient à l'infini ce combat. Merci. Oh, vous êtes sérieux? Il a enflammé son marteau. Ouais, j'ai intérêt à me méfier, moi. Ouais, carrément même. Nope. Nope. Par contre, ça va être un peu relou à force. C'est très long hein, ces combats. Il y a, en plus, il invoque des ennemis. Il y a le problème, c'est qu'ils ont tous, ils ont tous des armures. Donc, ce qu'il faut que je fasse, du coup, voilà, c'est que faut que j'active mon pouvoir du chaos pour les détruire. Voilà. Ah, j'avais gagné. Un truc. C'est pas ce que je pensais. Mais bon, c'est pas ce que j'aurais voulu, tant pis. Ah bah j'ai débloqué de nouveaux trucs, ça c'est cool. Putain, ça se débloque vite, ça va. Ah, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que je débloque? Qu'est-ce que je pourrais éventuellement... Alors, en l'air, ça je peux. Sinon, la volée tranchante. Brandissez l'épée et faites le moins. Petit et infligé des pluies de coups. Maintenant foncé. Déplacez ensuite le stick analogique gauche vers les ennemis pour les faire tomber avec une charge rapide à l'épée. Si vous êtes compétent dans l'épée, Ignace est équipé, vous pouvez briser les boucliers ennemis d'un seul coup. Oh, c'est fat ça. Vas-y, on la prend. Voilà, bon, ça c'est fait. Mon œuf de dodo a disparu, mais je vois à peu près où est-ce que c'est. Donc ça c'est bon. Bon, par contre, ça me fait quand même chier. Il doit être tout près en plus, il doit être juste quelque part par là. Ah voilà. J'y suis arrivé. Eh, ça fait déjà 5 sur 8 ici. Hein. Pas mal. On est solide. Bon, allez, j'ouvre la porte et puis. Puis on va s'arrêter là. Hein. Parce que là, l'épisode, bon, au moins j'ai bien récupéré les objets et tout, c'est cool. Mais bon, les combats, je me suis un peu chié dessus, comme d'hab, quoi. Mais bon, faut dire ce qu'il y a.
Voilà, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Donc merci d'avoir regardé cet épisode de Castlevania Lord of Shadow 2. DLC Révélation avec Alucard. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Allez, salut!